Donc le capteur de puissance, c'est un système embarqué qui permet de mesurer la puissance des coureurs durant l'étape, durant leurs entraînements aussi. Il se situe sur le pédalier et le pédalier envoie un signal à un ordinateur de bord qu'on installe sur la potence, ce qui permet aux coureurs de pouvoir voir en temps réel la puissance qu'ils développent. Les deux intérêts principaux, c'est de pouvoir lire en temps réel la puissance qu'ils développent et donc pour eux d'améliorer leur gestion d'effort. Et le deuxième intérêt, c'est de pouvoir enregistrer les sessions qu'ils font et les entraîneurs ou les coureurs puissent débriefer et avoir un feedback de ce qu'ils ont réalisé durant l'étape. C'est vraiment l'outil numéro un. C'est grâce à cela qu'on arrive à programmer précisément les exercices et à permettre aux coureurs de progresser. C'est vraiment un outil indispensable aujourd'hui en 2017 et c'est vraiment fondamental pour nous.